foreign agencies so far in Mauritius. We have been receiving vaccines for so many countries. It's a time that on behalf of the government, I have to express my gratitude to the company who has donated us this amount of money, and rest assured that it will be judiciously used for the procurement of vaccine. It's known to everybody that Mauritians have been very much lucky that at a timely duration interval that we have received the vaccine, and so far we have already administered 820,000 Mauritians have been vaccinated with one dose, representing 65% of the population. Nous tirons à fond là le COVID-19 programme Vaccination Fund, nous tirons à fond là pour collecter des fonds pour payer la vaccination. Jusqu'à présent, nous avons collecté un peu plus de 1,7 milliard d'euros. Et dans ces 1,7 milliard d'euros-là, il y a puisqu'il y a 1,1 milliard qui sont sortis depuis le fonds public, depuis Consolidated Fund. Et là, ça 1,7 milliard-là, nous finissons dépense 1,2 milliard d'euros pour l'achat d'un vaccin. Nous avons acheté une paye pour 2,1 millions de doses de vaccins. Et dans sa 2,1 millions de doses de vaccins, nous pouvons recevoir plus qu'il y a 1,5 millions de doses. Mon content quand on trouve une entreprise privée, Accenture, qui peut faire une contribution à ce fonds-là, ça démontre la solidarité qui est dans Maurice, coopération qui est entre le privé et le public, et aussi la réussite de nos programmes de vaccination qui permettent à l'entreprise privée pour venir contribuer à ce fonds-là. Permettez-moi et me profite de l'occasion pour remercier Accenture pour ce geste et me faire un appel aussi à toutes les autres entreprises qui profitent pour autres contribuer dans ce fonds-là et n'a pas un avantage fiscal par rapport à ça et qu'ils aient venir et qu'ils aient contribué dans ce fonds-là. Ça pour aider nous pour capable finance une vaccination future. On est très conscient que cette crise sanitaire est une crise qui est en train d'impacter tous les pays, en train d'impacter les communautés, les populations. Et on voudrait aussi faire un petit geste de contribution. Vous savez, Accenture, c'est une épargne globale. On a 600 000 personnes dans le monde, 3 000 à Maurice. Donc, en contribuant la somme de 12 millions de roupies, on sait que ça vaut à peu près 12 000 vaccins comme contribution. On pense que c'est quelque chose de très important pour la société mauricienne, surtout parce qu'on a besoin de ça pour reprendre, pour qu'il y ait une reprise économique. Donc c'est là un petit peu notre perspective. La santé, la sécurité de nos employés est aussi quelque chose de primordial. Donc en contribuant au fond, on est aussi en train d'aider le gouvernement à vacciner nos employés, les autres employés de notre secteur aussi, parce que notre secteur est très important. Vous savez, le secteur ICT, BPO, est pratiquement le premier pilier de Maurice maintenant, parce que le tourisme a souffert. C'est un pilier très, très important en termes d'arrivée de devises pour le pays. Et on doit absolument s'assurer que ce secteur soit sécurisé, que nos employés arrivent à opérer dans de bonnes conditions.